Les amis, regardez, aujourd'hui je vais clairement me transformer en Jumbo Josh. Regardez, la moitié Avarice, moitié Jumbo Josh, et ensuite je serai totalement transformé. Et je fais un peu flipper les amis, ça me fait quand même assez flipper de me voir transformé comme ça les amis. Et bien sûr, on ira à la fin de la vidéo voir le vrai Jumbo Josh pour le pranker les amis. Et bien sûr, je suis pas tout seul, je suis avec le grand et l'unique Talcado. Comment ça va Talcado? Oh, comment ça va Avarice? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tu vas te transformer en Jumbo Josh. Eh ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nouvelle vidéo, nouvelle miniature, ça fait longtemps, ça on l'a pas fait, j'ai jamais fait sur ma chaîne. Toi, je crois que si. Tu t'étais transformé aussi, mais pas en Jumbo Josh, en un autre personnage. Du coup, bah, c'est moi qui vais me transformer en Jumbo Josh aujourd'hui. Du coup, Talcado, suis-moi. Je vais t'emmener directement, les amis, pour se transformer. Vous savez où il va falloir qu'on aille. Il va falloir aller chez un scientifique. Et du coup, c'est parti. Bon, les amis, c'est parti. On va aller voir Rick. Bon, si c'est sûr, si c'est Rick, bien sûr, parce qu'apparemment, il est malade en ce moment, les amis. Bon, Talcado, qui est là. Ok, bon, ah bah, attends, Talcado, c'est pas Rick. C'est qui lui? Je sais pas, c'est un nouveau, je crois. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, ça va plutôt pas mal. Vous êtes un scientifique? Exactement, je suis un scientifique. Un scientifique, ok. Oui, je les ai regardé, il a un bras bionique, on dirait qu'il y a des fils de fer dans son bras. Ok. Exactement, il a été constitué en alliage d'aluminium, C3+. Ok, d'accord, c'est vraiment des informations que je peux mettre de côté, hein. Mais dites-moi, Rick, il est pas là. Rick, t'es là, Rick, tu m'entends? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Ah, il est pas là, ok, et il revient quand? Jamais, je l'ai mis dans ma cave. Oula, les amis, le nouveau scientifique me fait un peu flipper. Moi, je préfère Eric. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez Eric ou celui-ci. Bon, monsieur, vous avez une expérience à nous proposer, là, pour nous montrer de quoi vous êtes capable? Alors, déjà, j'ai une expérience sociale. Vous voyez ces deux petites stats, vous voyez? S'abonner. Ouais. Ok, s'abonner. Ouais, exactement. Et le pouce bleu. Et le pouce bleu. Le pouce vers le haut. Ok, le pouce vers le haut. Eh bien, vous allez demander à vos abonnés de liker et de vous abonner. Ok, bon, les amis, simplement, je crois que... Mais ça va faire quoi s'il s'abonne et qu'il like, monsieur? Alors, normalement, ça devrait faire monter la courbe d'après mes calculs. Ok, d'accord. Bon, vous voulez qu'on commence par quoi, les abonnements? L'abonnement, allez-y. Bon, les amis, je compte sur vous, abonnez-vous. Faut cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo si c'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, bah tant mieux, amis. Et bien, ça va, Talcado, t'as cliqué, toi, t'es abonné? Ouais, je me suis abonné, attends. Je vais essayer de le faire monter. Ok, attends, bon, ça marche, les amis. Ok, bon, les amis, c'est pour l'instant la première mission à marcher. Vous êtes bien tous abonnés. Et bien, ça, vous avez vu que ça fonctionne. Ah bah oui, là je suis complètement sur les fesses, là. Les amis, le scientifique, il est choqué, hein. Vous êtes super forts, les amis. Bon, on va voir. On va voir si les likes ça fonctionne. Les likes maintenant. Allez, vas-y, grimpe. Il a même pas demandé. Oh les amis. Ils ont mis plein de likes, je crois, sous la vidéo, hein. Ah, ils ont bien liké la vidéo. Alors là, je n'ai jamais vu ça en 20 ans de carrière. Ah ouais, 20 ans de carrière. Ok, bon bah tant mieux, les amis. Je crois qu'on a réussi à choquer le scientifique. C'est plutôt pas mal, les amis. Bon, monsieur scientifique, moi je veux me transformer en Jumbo Josh. Et je crois que ça se passait ici, il me semble, avec les anciens scientifiques. Oui, c'est exactement ça. Vous avez une bonne mémoire. Ouais, je m'en souviens bien. Ok, bon les amis, regardez, en plus ici, simplement c'est le socle pour moi. Et là, en général, bah du coup, vu que c'est vert, je pense que c'est le socle pour Jumbo Josh. Ok, mais par contre, il manque quelque chose. Il est où le générateur, monsieur? Eh ben tiens, c'est... je vais vous demander de le faire, ou d'aller construire. Enfin, je sais pas où il est, en fait. Vous vous débrouillez. Le générateur est perdu dans la maison, c'est marqué. Attends, vous avez perdu le générateur? Ah bah tiens, j'avais pas vu que j'avais un petit pense-bête là-bas. Super, faut bien observer. Je suis un peu surbooké ces derniers jours. Ok, bon bah du coup, ça monte à le cadeau. Je crois qu'il va falloir qu'on monte dans la maison de Mr. Smith pour pouvoir chercher le... Parce que du coup, il est caché du coup dans la maison en haut là, monsieur. Exactement, c'est ça. Ok, bon bah on va y aller. Normalement, je crois. Vas-y, Talcado, accompagne-moi, on va chercher ça. Ok, tu sais qu'on peut passer par en bas? Non. Si. Je crois pas. Ok, attends, on va voir les amis. Attendez, est-ce que Talcado a raison, les amis? Ok, attention, c'est parti. Tac, tac, tac. Ah ouais, t'as raison, ok. Bon bah tiens, il y a deux coffres ici. Non, il y a pas de générateur. Bon, c'est parti, Talcado, à la recherche du générateur, les amis, pour faire fonctionner la machine. Ok, on va chercher dans. Attendez, les amis. C'est quoi ce truc? Il a toujours pas enlevé ça, les amis. Regardez, une photo de Mr. Smith avec une poubelle. Bon, pour ceux qui savent pas, Mr. Smith, ben, c'est un petit personnage un peu débile qui est déjà apparu dans les vidéos de Talcado et les miennes. Qui ne repassera pas dans mes vidéos. Et pour le moment, ouais. Du coup, tout simplement, les amis, il y a des armes ici, donc c'est pas ce qu'on cherche. Ah, peut-être là, les amis. Non, 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 et non. Ok, bon, il y a rien ici, les amis. Ah, j'ai trouvé un truc, Awariz. Attends, j'arrive. À l'étage, dépêche-toi. Les amis, il y a un petit bouton s'abonner juste ici qui fait plutôt plaisir. Du coup, cliquez si c'est toujours pas fait, si vous l'avez pas fait pendant la petite mission, la petite expérience. Ouais, j'arrive. Okay, à l'étage, dépêche-toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vois un truc intéressant, regarde. C'est quoi? Ce que j'ai trouvé. Ah, mais il y a Nintendo Switch. Bah attends, je la prends quand même pour moi, les amis. Il y a Nintendo Switch, on la prend, les amis. Oh, pas... oh le rat. Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Il prend la Nintendo Switch, elle est même pas à toi. Ah bon, j'avoue, je la repose. Bon les amis, je la repose, je suis quelqu'un de gentil, je ne la prends pas. Ok, on va la laisser à Mr. Smith. Même s'il ne la mérite pas du tout, hein. Bon, ici c'est ouais, quoi? Les toilettes, ok. Mais en fait, je pensais que t'avais trouvé la machine, mais t'as rien trouvé du tout. Oh, mais Awaris, hein. Je crois que j'ai trouvé, mais ça doit être dans tous ces coffres-là. Ah oui, les amis, ça doit être caché dans ces coffres. C'est parti, on va chercher ça. Ok, c'est pas dedans. On va simplement faire de gauche à droite. Ok, bon, pour l'instant, c'est rien. Il y en avait pas dans ces trois-là, non? Ok. Bon, les amis, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Bon, j'espère qu'on va trouver ça, les amis. Hein. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout ici, rien là. Ah, lui, il est fermé, lui, par contre. Attends, les amis. Wow, attends. Attends, quoi? Il est fermé? Ouais, attends, tiens. Mais pourquoi? Je sais pas, ouvre-le pour voir. What? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, ouvre-le, Awaris. Ok, je vais l'ouvrir. Ok, attention, les amis. Oh! Oh, les amis, c'est un générateur pour la machine! Oh, on l'a trouvé, tel cadeau! Oh, my God. On l'a trouvé, c'est les amis. C'est un truc de fou. Tu sais que tel cadeau, par contre, j'ai vu qu'en bas, il n'y avait pas non plus les boutons, les leviers, tout simplement, pour activer la machine. Mais c'est peut-être d'autres missions qu'il y avait à côté. J'ai vu que t'avais ouvert une porte et je crois que c'était d'autres missions que tu devais faire. Ouais, peut-être. Bah, vas-y, viens, on va voir. Ok. Par contre, je sais plus le chemin, moi. Attends, faut descendre, je crois encore. Je crois que c'est dans le garage ou le grenier. Ouais. Okay, garage ou le grenier. Alors, le garage, c'est en bas. Le grenier, c'est en haut. C'est le souterrain, alors. Voilà. Ok. Monsieur, c'est bon, on a trouvé le générateur. Okay. Oh, parfait. Vous êtes très, très performant, mes amis. Hop là, nickel, je l'ai posé. Par contre, ils sont des boutons. Normalement, monsieur, normalement, je vais dedans. Et après, vous appuyez sur des boutons qui sont devant, des leviers pour pouvoir activer la machine. Oh là là, bah j'ai dû les oublier, dis donc. Qu'est-ce que c'est maladroit de ma part. Vous les avez oubliés ou c'est encore comme la dernière fois, il y a une mission derrière cette porte? Comme la dernière fois, en fait. Vous m'avez un peu devancé. Bon, ah, allez-y, Les amis, je crois qu'il y a encore une mission qu'on avait déjà eue, mais peut-être différent, les amis, qu'il va falloir faire pour avoir ces petits leviers. Et ben, d'accord, monsieur, ben, on se retrouve tout à l'heure, alors. Allez, à tout à l'heure. Faites bonne route. Bon, c'est parti, tel cadeau. On descend, on va voir les missions. Qu'est-ce qu'on a de beau? Porte 1... Porte 3, porte 2. Ok. Waouh. Ok, pourquoi pas, les amis. Bon, bah, je crois que logiquement, on va commencer par la porte 1, tel cadeau, hein. Vas-y, on commençons par la Allez. Porte 1. Il y a un petit coffre ici. Il y a quoi? Ok, un bloc d'or et un bloc. Enfin, une planche. Ok, bon, vas-y, je vais garder ça, les amis. C'est parti. Allez, j'ouvre le levier. Hop là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a un petit jump, les amis. Un jump. Hop, c'est parti. Oui, c'est parti. Je suis tombé. Aïe, la lave, il y a de la lave. Oui. Ah, ça fait mal. Oui, il y a un coffre. Je sais pas, attends, viens, on fait jump, on va voir où ça donne. Ok, les amis, c'est parti. Hop, on va simplement aller jusqu'au bout. Ah, mais je suis encore tombé. Eh, je suis nul par contre en jump. Wow. Oh, les amis, je suis vraiment mauvais. Tel cadeau, t'es déjà là-bas? Bah, ouais. Oh, les amis, tel cadeau est vraiment trop fort. Hein. Les amis, je crois qu'il est chaud en jump. Il fait ça toute la journée, ce gars. Hop là, c'est parti, attention. Ah, mais tu m'as piégé. Là, t'as mis un bloc. Mais tu m'as piégé. Mais non, mais pas du tout. Mais wesh. Ok, maman, il y a un bloc ici. Mais mec, t'es juste nul, hein. Je te le refais, hein. Regarde. Ah mec, c'est vrai? Non mais je suis vraiment nul, hein. T'es juste nul, hein. Hop. Hop là. Ok, mais là, il y a le bloc juste ici. Ah, mais wesh. Mais t'es un teubé ou quoi? Ok. Mais mec, what the fuck? Ah, mais moi, j'y arrive pas, les amis. Hein. Je crois que je suis vraiment nul, hein. Les amis, les jumps, c'est pas fait pour moi. En tout cas, j'ai vu que oui, il y avait des blocs ici, les amis, qu'il va falloir qu'on récupère, je pense. Parce que bon, les amis, si autant que tu récupères maintenant. Oui, c'est ça, c'est que si je récupère. Que tu peux faire deux fois le jump, hein. Ah oui, t'as raison. Ah bah attends, il y a un coffre en bas, attends, je vais le récupérer. Hop. Ah, récupère tout parce que. Ok, voilà. Ah oui, si je fais, les amis, le jump et qu'après. Hop là, ok. Je dois retourner chercher les blocs. Ah bon, c'est pas mal, hein. On est pas simplement dans la mouise. Y'a rien là à côté, tu me dis s'il y a un truc. Ah, y'a rien. Ok, y'a lui là. Y'a un coffre devant Watt. Ok, très bien. Là. Ok. Là, t'avances un peu. Ok. Voilà. Oh oui, j'ai réussi. Ok, là, je tombe dans le. Oh oui. Ah non, mais il y a un truc fait exprès. Oh, mais oui, moi, je l'ai pas fait, ça. Il n'y a pas besoin. Hein. Ah, ok, bon, bah, désolé. Et. Quoi? Oh, je suis tombé. Et il y a un coffre. Il y a un coffre là. Ici, ok, attends. Je suis tombé. Attends, ok, parfait, les amis. Il y a un coffre. Ok. Bon, du coup, je crois que c'est bon. Là, c'est quoi? C'est la récompense. Ok, c'est la code pour aller simplement à la porte 2, les amis. Ok, donc, tout simplement, je crois qu'il faut faire un puzzle. Donc, l'or, il est en haut. Le slime. Et là, par contre, attendez, j'espère que j'ai tous les blocs, les amis. Hein. J'espère qu'on n'en a pas oublié. Et le cadeau, si on en a oublié, on est dans le pétrin. Hein. Parce que pour moi, si je refais le jump, oula, ça va être très difficile, les amis, de refaire le jump pour moi. Ok, là, c'est le vert. Le bois, je ne l'ai pas dans la main. Lapis, la sulis, ça, le bloc, et simplement ici. Il m'en manque un, par contre. Hein. Ah oui, celui-là, là. Ouais. Ah, mais en fait, ah ouais. Oui, ok. Mais, non, mais il est là. Ah, bah c'est toi qui l'avais, ok. Ah, mais tu l'as dans les mains ou il faut que je le casse ici? Il y en avait deux.
Ah, il y en avait deux. Ok, bon, bah, vas-y, bah, mets-le, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, bon, bah, je crois qu'on a raison, hein, simplement, attention. Tac, 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 tac. Ok, bah, je crois que les amis, on a réussi le puzzle. Bon, bah, on peut récupérer le code alors. Hop, je me permets. Le code, c'est 1, 2, 3, 4. On en aurait pu le trouver, je pense, sans la mission, tel cadeau, hein, le ouais, code. Ouais, hein. Je pense aussi, ouais. 1, 2, 3, 4. Je sais pas qui a décidé ce code, les amis. Franchement, le scientifique, les amis, est vraiment bête. On aurait pu le trouver facilement, hein. Hop là, c'est parti. Ok, ça marche? Ouais. Attends, fais voir. 1, 2, 3, 4. Ok, ça fonctionne. Ok. Ici, on a quoi? C'est vide. Ici. Des bateaux. Ah, des bateaux. Des bateaux. Ok. Tu vas en premier ou j'y vais c'est en premier? C'est long bateau. J'y vais en premier. Allez, c'est parti. Attention, c'est parti. Le bateau. Ok, ok, les amis. On va où? On va où? On va où? Waouh, c'était vraiment utile. Ah, c'était vraiment utile. En plus, ça va être c'était chiant. C'était vraiment très utile. Ça va être chiant pour le retour. J'ai ça pas va être super chiant en plus pour le retour. Je pense pas qu'on va prendre le bateau pour le retour. Hein. Je bon. Ne pense pas non plus. Ok, les amis, ici, il y a une sorte de bibliothèque avec des chevaliers. Là, c'est quoi? Un salon? Ok. Waouh! Ok, la mission. Je crois qu'il faut retrouver les jouets à Wari. Pour retrouver une camionnette, un petit vaisseau spatial, un Rubik's Cube et un ballon. Mais par contre, je crois qu'il y a plein de jouets. Donc, en gros, une voiture, une fusée, pour faire plus simple, un Rubik's Cube et un ballon. Ouais, c'est ça. T'aurais pu juste simplifier les deux, en fait. Hein. Bah, c'est toi, t'as simplifié. Ah, pardon, ok. Et la t'as récompense est en dessous. Ok. Mais bah, c'est parti. On va chercher ça, les amis. Ok, bah, j'ai déjà trouvé la voiture. Hop, c'est trop facile. Hop là. En haut, il y a le Rubik's Cube, les amis. Regardez. Ah, attention. Hop là. Oh, oula, les amis. Comment je vais récupérer? Non. Oh, oui, c'est bon, j'ai récupéré. Ok. Ok, les amis, j'en ai deux. Il manque la fusée et le ballon. T'as le cadeau. T'as trouvé quelque chose? Il y a un coffre là. Là, il y a des feutres. Putain. Ah non, mais ça, c'est la récompense. T'as le cadeau. T'es bête. Ah, ou quoi ok. Bah, la récompense, ok. La récompense. Ok, là, il y a des coffres. Oh, j'ai trouvé un poulpe. Il n'y a pas à chercher un poulpe. Il faut un vaisseau eh bah, spatial. C'est pas grave, un poulpe quand même. Ok, bon, j'ai trouvé un xylophone et un petit canard. Ok, bah, c'est toujours pas ça qu'il nous faut. Ok, bon, il n'y a rien ici. Attends, il y a une porte là. Ah, il y a une cuisine ici. Oh, bah attends, il y a un vaisseau. Oh, la cuisine. La fusée, elle est ici, la petite fusée. Ok, c'est parti, les amis. On va la placer. Et qu'est-ce qu'il manque? Le ballon de foot. Le ballon de foot. C'est... Ouais, t'es un teubé ou quoi? Quoi? T'es un teubé ou quoi? Viens, viens, viens vite fait là. Quoi? Viens vite fait. Viens vite fait. T'as déjà joué au foot avec un ballon comme as? Non, mais c'est un ballon de basket, c'est pas un ballon de foot. Bah, tu dis que c'est un ballon de foot. Non, mais les amis, c'est un ballon de basket, hein, vous m'avez compris. De toute façon, le ballon de basket, je crois qu'il est pas dans cette pièce. Et regarde, regarde, ton ballon de basket là, il est là-bas. Quoi? Où? Il n'y a pas de ballon de basket. Par terre. Par terre. Où? Mais là-bas. Oh, mais je l'avais pas vu, les amis. Oh, mais oui, attends, mais je suis passé devant, ça veut dire tout à l'heure. Ah oui, mais moi, je viens de le voir là, quand je viens de te dire que c'était un ballon de foot. Ah oui, donc toi aussi, enfin, simplement, t'es passé devant alors. Bah oui. Mais moi, j'ai pas dit que c'était un ballon de foot, j'ai dit que c'était un ballon de basket. Oui, d'accord. Bon, t'as le cadeau, parle correctement, s'il te plaît, parce que là, on comprend ce que tu dis. Bon, bah, en si, tout cas... on comprend, j'articule, hein. Oui, d'accord, bah, articule mieux. En tout cas, les amis, on a trouvé simplement la fusée, on a trouvé simplement la petite voiture, le Rubik's Cube et du coup, le ballon de basket et pas de foot. Du coup, on peut prendre la récompense, c'est quoi? Une carte magnétique, du coup, de level 4. Ok, du coup, de niveau 4. Et bah, c'est parti pour la galère, les amis. On va essayer en bateau, tiens, de monter en haut. Attention, est-ce que je vais y arriver? Ok. Waouh, waouh, waouh. Non, en fait, on va pas essayer, les amis. C'est clairement une galère. Bon, je vais faire comme t'as le cadeau, les amis. J'y vais simplement à pied parce que vraiment en bateau, je crois que c'est limite impossible, il me semble. Avec le courant qu'il y a là, les amis, je pense que c'est clairement impossible. Hein. Mais c'est quoi le code déjà? Mais je l'ai. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est parti. Ah, t'as cru que j'avais pas le code, hein, t'as le cadeau. Hein. Ah, oui, 1, hein. 2, 3, 4. Hop là. Et du coup, ici, on a la clé qui nous ouvre cette porte normalement. Ok, wow. Parfait. Et ici, tout simplement, on a deux leviers. Tiens, t'as le cadeau, viens avec moi, là, vite fait. Attends, j'arrive pas à porter le levier. Tu peux rentrer, s'il te plaît? Ah oui, tu fais fermer. Tu es en prison. Tu es en prison comme pied. C'est du bizarre. T'es en prison, t'as le cadeau. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, t'as le cadeau. Moi, je te dis. Bonne journée. Ok, vas-y, vas-y, bonne journée. Quoi, comme attends, avec les amis, qu'est-ce qu'il fait? Mais attends. T'as le cadeau, t'es en train de faire une sieste. Mais attends, mais il est en train de faire une sieste. Attends, les amis, je vais aller lui mettre une claque. T'as le cadeau, réveille-toi! C'est bon. Qu'est-ce que voilà, tu fais là? T'étais vraiment en train de faire une sieste? Ouais. Oh là là, mon dieu, les amis, t'as le cadeau tout le temps là en train de dormir. Bon, allez, on remonte en haut, on va voir le scientifique, les amis, c'est parti. Hop là, ok. C'est bon, monsieur le scientifique, on a les deux leviers, du coup, j'en place un ici. Comment ça? Hop là, hop là, c'est bon, c'est réparé, monsieur. Franchement, vous avez mis beaucoup de temps, j'ai failli m'endormir. Hein, franchement. Bah, j'en connais un autre qui était en train de dormir, monsieur. T'as le cadeau, il a rien fait du tout, c'est moi qui ai tout fait. Oh bah bien joué. Mais du coup, c'est allé beaucoup plus lentement. Ah bah super. Bon, je pose tout ça ici dans votre coffre, c'est que j'en ai pas besoin. Du coup, alors moi, je rentre dans cette cabine, je suppose. Hop. Oui, exactement. Et du coup, j'apparaîtrai du coup dans la deuxième cabine en. Exactement. Ok, bon bah. Jumbo Josh. Ok, Jumbo Josh.
Allez, je vous laisse fermer la cabine. Alors, je referme votre cabine. Hop. Hop là. Mettez la ceinture. Ok, je me colle au siège. C'est parti. Okay. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, monsieur. Alors, juste, je vais rester un petit truc pour vous balancer la petite potion. La potion, ok, pas de soucis. Ok, allez. Les amis, bon, je me transforme, mes amis, ok, c'est parti, attention. Ah, petit appui sur le levier, c'est fait. Ok, attention. Ok, les amis, je crois que je commence à me transformer. Ok. Ça devrait être bon, là, normalement. Bon. Oh, c'est bon, je suis transformé. On lui dit ou pas? qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai dû peut-être me tromper entre la version à 5€ et la version à 500€, la potion. Je suis pas en Jumbo Josh, là? Si, totalement. Vous êtes en Jumbo Josh, mais en Jumbo Josh de Wish. Ah, de Jumbo Josh de Wish. Ça veut dire que je suis pas le vrai Jumbo Josh? Si, vous êtes le vrai. Mais... Ok, Talcado, t'en penses quoi de mon costume? J'ai toujours pas montré aux abonnés. Pull caca. Il pue le caca? Ouais. Je ne dirais pas ça, s'il vous plaît, monsieur, de mon costume. Ok, bon, les amis, est-ce que vous voulez que je vous montre le petit déguisement? Attention. Mais monsieur, c'est une blague, c'est quoi ça? Mais je suis pas en Jumbo Josh, là? Oui, je me suis trompé, comme je vous l'ai dit, mais vous inquiétez pas, il est tellement teubé qu'il va... Non, mais les amis, regardez-moi ça, j'ai des bras tout fins, etc. On dirait simplement les Jumbo Josh qui m'ont attaqué il y a pas longtemps, les amis. Mais what? Attendez, mais Talcado, mais je suis jamais passé devant. Si je vais faire voir Jumbo Josh, il va pas me prendre au sérieux. Ah là, il va clairement pas te prendre au sérieux, je crois. Oh, bon. Tu veux quand même qu'on essaye? On va le voir et on essaye de le pranker. Ah bah, c'est ta vidéo, hein. C'est toi qui décides. Hein. Ok, bon, les amis, là, je prends un gros risque parce que tout simplement, Jumbo Josh, simplement, je ressemble pas du tout à lui, les amis. Là c'est vraiment le Jumbo Josh. C'est la pire transformation que j'ai eue, les amis. En tout cas, on va quand même y aller. Vas-y, Talcado, viens, on va dans la forêt. Au revoir, monsieur le physicien. Ciao, ciao. Ah bah, vous étiez vraiment. Physicien, je sais pas si c'est un physicien. Hein. Ah bah là, vu comment il m'a transformé, les amis, dites-moi, mettez une note dans les commentaires simplement de mon costume, enfin de ma transformation de Jumbo Josh. J'espère qu'elle va au moins simplement durer jusqu'à que je vais voir Jumbo Josh. Simplement, les amis, on va être dans la forêt tout en face là-bas. On va directement y aller, les amis. Ça me fait flipper. Franchement, ça me fait flipper. Tu sais quoi, Talcado, on va prendre des armes chez toi, je pense, non? Parce que okay, on sait jamais. Okay. Parce que là, les amis, simplement, vraiment, je le sens pas bien. Je pense que Jumbo Josh va directement nous attaquer parce que là, vraiment, je vais pas du tout être crédible, là, Talcado, hein. C'est que j'ai pas envie d'y aller, limite, hein. Ça me fait trop peur, hein. Ah ouais? Bah oui. Ah mec, c'est ta vidéo, hein, c'est toi qui décides. Hein. Oui, je sais, mais oh mon dieu, bon les amis, on va quand même y aller. C'est parti, on va simplement prendre des armes chez Talcado, j'espère qu'il a de quoi faire. Ok, attention. J'espère aussi. Ouais, j'espère aussi, wow. Ok, il y a une M4 ici, ok. Et un chargeur, allez c'est parti, c'est bon, j'ai quelque chose moi. Ok, bon, simplement les amis, c'est bon, je suis armé, on va simplement aller du coup à la forêt. Est-ce qu'il y a une petite voiture ou on y va à pied? Alors attendez les amis, il y a peut-être une voiture dans le garage à Talcado, on va voir ça les amis. Attention. Ah oui, la chance, on a une voiture, ok. Talcado, tu viens? Hop, c'est parti, ouais. Attention. 3, 2, 1, let's go, je conduis les amis. Et on va direction du coup, simplement la forêt où Jumbo Josh, les amis, se cache la plupart du temps. Du coup, on va voir simplement si c'est là-bas. En général, il se cache vers sa cachette secrète, l'ami, qu'on a trouvé. Tout simplement, je vais pas vous la montrer. Normalement, je pense qu'il sera simplement à la surface du coup de la forêt. Et en tout cas, j'espère que Talcado, toi t'es prêt parce que tu vas devoir me défendre hein, par contre. Hein. Je suis 100% prêt, j'ai les pistolets laser. Ok, ah ouais, pistolet laser carrément de Carlos. Ouais. Ok. Bon, du coup, les amis, c'est parti, regardez la forêt juste à gauche. On va simplement s'en approcher, les amis. On va garer la voiture à côté, comme ça, si on doit simplement s'enfuir, on aura la voiture juste à côté, les amis. Ok, je la gare ici. Hop là, tac. Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Bon, les amis, j'espère qu'on va trouver simplement Jumbo Josh dans la forêt. Et pour l'instant, je vois rien. Okay. Pour l'instant, je ne vois rien non plus. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de Jumbo Josh, les amis. Hein. On va s'approcher simplement, les amis, sans vous montrer où est Jumbo Josh. Ok. Bon, les amis. Oh, il est là-bas. Il est là-bas. Oh, il est là-bas. Regarde, les amis, il y a Jumbo Josh. Ok. Tu vas où? Ah, oui, il est là-bas. J'y vais, Talcado. Tu vas le voir, on va le voir. Vas-y, vas-y. Ok, j'y vais. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi le vrai Jumbo Josh. Oula. Dis donc, bonjour mon fiston. Non, comment ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Oui, je suis ton fils. Oui, je suis le fils de Jumbo Josh. C'est ça que je voulais dire. Oui, je suis ton enfant, l'enfant de Jumbo Josh. Du coup, oui, tu voulais faire quoi? Ben, je sais pas. Tu peux me montrer ta base secrète? Elle est où? Je sais pas pourquoi, mais je te suspecte un peu bizarrement, toi. T'as des particules violettes bizarres. Moi, je sais pas, je vois rien en tout cas. Bon, simplement, je suis ton fils, tu te souviens pas de moi, je suis ton fils.
Bah oui, oui, t'as l'apparence, mais bon, bizarre. Bon. Les amis, apparemment, je ressemble au fils de Jumbo Josh, ok. Bon. Ok, on va faire un petit questionnaire. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, je dirais que si je devrais manger quelque chose, ça serait une cuisse de Talcado. Bien répondu, ça, mon fiston. Ok. Qui tu dois prendre en otage si c'était quelqu'un? La première personne qui devient... Je sais pas, moi, un Rainbow Friend, par exemple? Lequel? Attention, cette question sera décisive. Ok, le green? T'es pas mon fils. Quoi? Je suis pas mon fils, mais pourquoi tu me dis ça? Wow, 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 wow. Aïe, 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 les amis. Il m'a tapé, oui, moi, reste ici, glacé. Reste non, ici. Non, je suis tout glacé, la cadeau avec moi, je suis tout glacé. Ah, j'étais okay. Sûr, t'étais un traître. C'est sûr que j'étais pas venu tout seul. Ah, bah, 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 attention. Bon, il lance du feu, t'as le cadeau, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Faut qu'on parte, les amis. Allez, partez vite, sinon je vais vous exterminer. Oula, les amis, il balance simplement de la smoke. Il fait tout noir. Je vois rien, je vois pas la forêt, limite. Ok, c'est là. Ok, vite, direction la voiture, t'as le cadeau, direction la voiture. Ok, ok, ok. Les amis, on s'en fout. Allez, courez plus vite. Ah, waouh, 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 il va. Non, aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. Les amis, ouais, ok, d'accord, il nous a simplement emmené à Tatooine. Ok, c'est parti. T'as le cadeau, combien de temps? Tatooine, les bains. Ah, non, je suis là, t'as le cadeau, Ok, ok, ok. Ah, mais viens. Oh, oui, attends. Ok, c'est bon, vas-y. Bombarde. Ok, oula, il y a Jumbo Josh qui nous attaque. Ok, vite, ok. Bon, les amis, c'est parti. On va simplement fuir à Jumbo Josh. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner. Oh, je crois que. Je suis tout congelé. Bon, bah, les amis, on se dit à la prochaine. Oui. C'était Avariz. Ciao tout le monde.